En fait, on s'en rend même plus compte parce que ça fait partie maintenant de notre quotidien. Mais les réseaux sociaux, en fait, c'est un truc de fou parce que là, je suis dans mon salon et si je veux, je prends mon téléphone et en quelques secondes, je peux envoyer un message à quelqu'un qui est en Australie, quelqu'un qui est au Cambodge, au Vietnam, hein, même à Londres, New York, n'importe où dans le monde, je peux communiquer avec une personne via les réseaux sociaux. En fait, clairement, les réseaux sociaux, ça nous a ouvert au monde. Mais malheureusement, comme on dit, un bonheur ne vient jamais seul. Et là, petit à petit, il y a un truc que les réseaux sociaux, en arrivant dans nos vies, est en train de retirer petit à petit. Et cette chose-là, eh ben, c'est notre sociabilité. Et c'est un truc de ouf, en fait. Parce que tu peux pas te dire que les réseaux sociaux sont en train de nous retirer notre sociabilité, alors que si, concrètement. Et quand je dis ça à des personnes, il y a des gens qui comprennent pas. Ils disent, ouais, mais tu peux pas dire ça parce que vu que les réseaux sociaux, j'ai la capacité d'être en lien avec plus de personnes. Et c'est vrai. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a des gars qui savent draguer toutes les nanas sur les réseaux sociaux. Mais allez leur dire d'aller aborder une nana dans la rue. Vous allez voir, incapable pour certains. Incapable d'aller parler à une personne dans la rue. Vous allez voir de l'autre côté des meufs qui sont là quand elles kiffent des outfits de d'autres filles sur Insta. Oh ouais, ma chérie, t'es trop belle, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Des flammes, tout ça, tout ça. Mais quand elles voient une meuf qui a une belle tenue dans la rue, incapable de leur dire, ou bien même des fois ça glace les meufs, ça la garde de travers, ça les chippe, ça les critique, etc., etc. Incompréhensible. Il y a plein de personnes dont je fais partie, tu vois, qui font des vidéos sur Internet un petit peu comme je fais, quoi, face caméra en train de discuter. De sujet, voilà, tu peux croire que la personne, c'est une personne qui est super abordable, avec qui tu vas pouvoir discuter, etc. Mais certaines de ces personnes-là, je ne dis pas tout le monde, mais certaines de ces personnes-là, vous allez les voir dans la rue, essayez d'aller leur parler. Certaines ne seront pas capables de vous sortir 5 mots, parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne sont pas très sociables. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends mieux mon idée? En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que les réseaux sociaux sont en train de nous rapprocher des personnes qui sont au plus loin de nous, ça c'est bien, mais c'est en train de nous écarter des personnes qui sont au plus proche de nous, c'est en train de nous écarter du vrai contact humain. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas qu'on perde, c'est pas possible, on ne peut pas se séparer de ce truc-là, c'est trop important. Moi, je vais vous proposer un truc super simple. Allez dans un bar, dans un café, un truc où il y a des gens qui sont posés. Repérez une personne qui a une tenue ou un vêtement que vous kiffez, rapprochez-vous de cette personne maintenant. Dites-lui juste salut, ça va ou quoi? J'espère que tu vas bien. Tu sais quoi? J'aime bien ta tenue. Et hey, vas-y, je te laisse là, vas-y, salut. Vous lui dites juste ça à la personne et vous partez. Bonjour, est-ce que ça va? J'aime beaucoup ta tenue, je te laisse, bonne journée, salut. Là, en faisant ça, vous allez remarquer 2 choses. Déjà, première chose, il y a beaucoup de personnes qui ne vont rien remarquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je n'ose pas aller aborder une personne, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf parce que on est arrivé dans un stade où on n'a aucun mal à aller aborder les gens sur les réseaux sociaux, mais on n'arrive pas à aller aborder les gens dans la rue. Ça, déjà, pour moi, c'est un peu problématique, tu vois. Et la deuxième chose que vous allez remarquer, c'est que pour certaines des personnes que vous allez appréhender, il faudra voir les réactions. Il y en a qui vont bien réagir, qui vont dire, ah, merci, c'est cool. Peut-être même que vous allez entamer la conversation. Mais il y a certaines personnes qui vont rester sur leur garde, limite comme s'il y avait un problème. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ouais, pourquoi il me dit ça? Il y a des personnes qui peuvent même être agressées dans ces situations-là. Pourquoi? Pourquoi en fait? On sait même pas! Alors que tu es juste venu et tu as dit à la personne, bonjour, est-ce que ça va? J'aime bien la tenue, donc tu as complimenté limite la personne et tu lui as dit au revoir, tu es parti. Il y a des gens qui vont être sur leur garde. Surtout si vous êtes en région parisienne, oh, là tu es vraiment dans la sauce. Alors que pour mettre des flammes sur des tenues que ça voit sur Instagram, là tout le monde sait faire, tout le monde est là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, concrètement, vraiment, on perd notre sociabilité. Il faut remédier à ce problème-là très vite avant que ce soit trop tard. La génération d'avant, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Donc, pour créer du contact avec les gens, ils étaient obligés d'aborder les gens, de discuter en réel, en physique. Nous, maintenant, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une chose super. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, tu ne dois pas t'en servir pour parler. Mais ce que je dis, c'est que, selon moi, les réseaux sociaux, ça doit aider au dialogue, mais ça ne doit en aucun cas remplacer le vrai dialogue physique, en aucun cas. Maintenant, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut parler avec tout le monde dans la rue. En plus, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont plus timides que d'autres, donc il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué. Je sais aussi qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes, tu leur dis salut, tu leur souris et tu leur dis au revoir, laisse tomber, ils vont se créer un film dans leur tête, tu vois. Donc, c'est sûr que ces gens-là, t'as pas trop envie d'être extrêmement ouvert avec eux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez la possibilité d'être sociable, soyez-le, soyons-le, je me mets aussi dedans. Soyons-le quand on a la possibilité. Quand vous allez faire vos courses à Auchan, Leclerc ou je ne sais où, même quelques blagues à la caissière, même une ou deux blagues à la caissière, si vous sentez que l'atmosphère est là, ça peut lui faire du bien. Ça se trouve, elle a une journée difficile. Hein, tu vas au McDo, on te sert, tu sens que tu peux sortir 2-3 mots à la personne qui est en train de te servir. N'hésite pas, lâche.
Tu communiques juste 2-3 mots, ça peut faire du bien. La sociabilité, c'est ça. Dites-vous bien qu'il y a des personnes qui se sont enfermées dans les réseaux sociaux et qui n'ont plus aucune vie sociale. Aucune vie sociale. Mais pourquoi ces gens-là, ils n'ont plus de vie sociale? Parce que personne ne leur parle. Personne ne leur parle. Personne ne leur dit jamais rien. Personne ne... C'est normal qu'après tu t'enfermes dans les réseaux sociaux. Nous, quand on va au resto avec mes potes ou avec mes cousins, mais laisse tomber, il faut voir. Les serveurs, c'est les serveurs qui repartent avec le sourire carrément. Pourquoi? Parce que dès qu'on a l'occasion, on leur sort 2-3 mots, on leur sort des blagues, ça se chambre un peu, ça délire, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas, mais la sociabilité, discuter avec les gens en physique, c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est trop bien. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui vont mettre souvent des messages en début de journée, en story par exemple sur Instagram. Ouais, bonne journée à tous, force à tous, bon courage, etc. Moi, je fais partie de ces personnes-là. C'est très bien de mettre des posts comme ça. Mais il faut dire ça aussi à la boulangère. Hein, bon courage, madame. Juste bon courage. Juste ça, ça peut faire du bien. Et il y a des personnes qui ne le font pas. On ne le fait pas assez et c'est en train de se perdre. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc... faisons tous un effort, je pense que c'est important sur notre sociabilité quand on est dans le contact physique, dans le vrai. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais hein, au bout d'un moment, ça s'arrête. Hein. On a besoin du vrai contact physique.